Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 509 ou connecté n'importe côté où yé. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travail là, capable avancer. Zami Pao Foucault. Bon nouvelle yo, pas facile. Mais, depuis c'est construit pays, nous pas hésiter à informer yo. Construire l'école, c'est un plus bel travail qui capable de faire dans un pays. Mesdames, mademoiselles et messieurs, hier, pays Taïwan présenté premier lycée excellence, yon lycée kap gen tout affaire là-dedans, qui pral passer comme yon nan pi gros l'école dans pays d'Haïti. Même konnen sûrement ou a posé tête ou ti question sa yo. Nan combien de temps lycée sa a fin construit? Combien kob l'ap koute l'état haïtien? Qui kote l'ap fait? Qui est kap capable aller là-dedans? Qui avni ti moun ki pral entrer dans l'école ça? Comme nous connaît en Haïti, son ti pays spécial, mené koulev la l'école se youn, fèl chita se de nan pays sa. M'pral répondre nou tout question sa yo. ONI ki se Organisation des Nations Unies, prend diverses décisions sous crise pays d'Haïti ap traversé nan moment, tant kou sécurité, élection droit moun ak la justice. Toujours dans le pays États-Unis, ambassade américaine dans le pays d'Haïti sorti yon note by tout moun pinga kap entre ak machine dans le pays ya pou yo entre vide dans l'idée pour bataille contre zam illégal ak katouche qui envahit pays ya tant kou sachet de l'eau. M'pral expliquer ou tripotay sa yo nan bon timamite, rale ti chez ou chita. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Encore une autre fois, m'a dit merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou, et merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne et merci parce qu'on partage vidéo, ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification par là pour pas rater aucune vidéo. C'est Zami Pao Foucault. Hier, nous avons eu la chance de présenter un petit compte. Compte ça qui c'est belle femme, kouti ma fille, dommage, les tripotailles. Eh bien, réponse là, c'est Aranso. Eh bien, Aranso, mesdames, mademoiselles et messieurs, de pour on saute utiliser, de pour paraître, voup, yon tout dou, ah, mon saute dans Aranso depuis au présent. Et ça fait, il compte créole là, lui-même, lui dit belle femme, kouti ma fille, dommage, les tripotailles. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, mes nouveaux comptes, ou avez pour chercher réponse là pour nous. Papa m voye m nan de l'eau avec yon bokit, tant que m'ap met de l'eau, li pa jam plein. Papa m voye m nan de l'eau avec yon bokit, tant que m'ap met de l'eau, li pa jam plein. Pas hésiter quitter réponse par là, ça fait nous plaisir en pile en pile. Éducation c'est un pi gros outil yon pays besoin. Construire l'école c'est mettre graines en batte. Jean président a annoncé mesdames mademoiselles et messieurs, avant le pour quitter pouvoir, li gen pou construire divers lycées excellents nan pays ya. Kap permettre en pile si moun ki nan la ri ki fin fait certificat malheureusement parent yo pa ka mete yo non pi go l'école et bien si lycée sa yo arrive construit dans chaque département mais ti moun kap capable aller dans l'école ça c'est ti moun ki fait belle moyenne l'école tan kou 8 9 comme nous connaît nan l'école nationale yo l'école congréganisio l'école collège ou tout. Donc, l'école sa yo souvent bay en pile si moun qui fait belle moyenne, mais malheureusement, nous connaît l'État, c'est dans tant longtemps, le on ti moun fait belle moyenne l'école, et bien, l'État te kon a accompagné le bay ou des primes, yon façon pour capable encourager ti moun nan pour continuer étudier avec travail. Mais, mesdames, mademoiselles et messieurs, ça qui marque attention nous, pour qui ça, c'est Taïwan lui-même qui responsable vin construire l'école ça dans le pays d'Haïti, yon lycée excellent, pour qui ça, tout président qui passe yo, yon pas de jam ou ça nécessaire pour yon construire de l'école comme ça dans le pays d'Haïti. Qui te prie en brancantique? Dernièrement là, pendant ma passé sur réseaux sociaux yo, et puis moi ouais yon note qui sorti qui dit et comment monsieur Sarel encore animal politique là oui Lambert yes donc et sentait pas tellement trop OK l'état prend soin et puis l'elfine bon mon l'autre publie encore yo dit santé parlementaire là li OK li de retour pour pays d'Haïti est-ce qu'on est des saints bon ça ça garder nous. Ça va garder nous, sentez le pas ok, ou pas qu'on est plus ou moins construit l'hôpital dans le pays. Donc, est-ce qu'on comprend à chaque fois les grands, ça y est malade, ils sont obligés de jouer un avion, jouer un moyen quand même pour traverser dans l'autre pays à le brancher parce que là, dans ce moment-là, mesdames, mademoiselles et messieurs, qui est bon l'hôpital qui est dans le pays d'Haïti? Pas gay un qui trois code jom non parce que temps en temps on grève dernièrement là c'était mi balek t'a frappé donc mi balek m'pa caché d'où li en bouleverse là l'hôpital général était tout
accepter toujours à boîte problème ni déjà. Est-ce que nous comprenons qui j'en bagay là? Et ceci, gen des problèmes ou gen soit dans oreille ou bien quelque petit côté dans corps, c'est dans l'hôpital général ou jeune spécialiste ou pas jeune spécialiste presque dans l'autre hôpital yo. Quand même yo voyo l'hôpital général même qu'on pas envie aller. Les comme ça ou obligé gon passeport, gon visa pour déplacer pour aller prendre soin dans l'autre pays. Est-ce que n'a construit pays? Non, nous pas fait pays. Mais mesdames, mademoiselles et messieurs, Taïwan son pays qui tout près la Chine, qui tout près Japon. Si n'a fait l'histoire, nous songe après deuxième guerre mondiale qui était passé en 1945, eh bien nous songe les États-Unis lui-même t'a utilisé yon bombe. Quand il était pour une grande formule, comme nous connaissons, il y a une bombe qui est le H+, qui c'est H-taille qui fait bombe ça, et bombe ça lui-même lui enchaîné en bas en même mode, comme nous connaissons la même mode, son lambe qui tellement salé, même poisson pas arrêté là-dedans. Tout ça quand il y a les voyous monter, lambe ça pas manger moun. Donc, si bombe ça t'a éclaté, mesdames, mademoiselles et messieurs, 3 cas dans l'humanité a disparu. Et les H-taille pral mourir, et ça fait le bombe dans H+. L'el pral mouri, li di s'il te koné, c'était pour détruire l'humanité, li patab jamais fait un bagay comme ça, li regrette. Eh bien, l'el deuxième guerre mondiale là, yo attaqué États-Unis, di m'en fom ba yon leçon, eh bien, grand chimisio allé dans tout dossier hashtag, yo pon grande formule nan bombe te faire. Eh bien, grande formule ça seulement yo utilisé, yo mette nan bombe nan, yo al krake, yo lage nan de Japon, eh bien, 2 villes au Japon krasé. Là c'est après ça ou attendez ou vienne former ONU. Kounya là mesdames mademoiselles et messieurs, nous connait après guerre pays a économie en baisse donc toute bagaille tête en bas, y a chercher l'argent tout côté, y ont façon pour capable remonter économie pays. Mais pas oublier, Japon son pays même que ti moun nan tout petit, la fait téléphone, y a font paquet bagaille qui extraordinaire. Là autant de bay ti moun nan yon punition l'école son ti robot yo el fait. Mais pas bon ici là ba non punition, mette na genou. Yo mette une sous-grage, c'est comme ça yo fait. Mais chaque pays a coutume pa yo. Kounya la mesdames, mademoiselles et messieurs, ça qu'on doué qu'on est. Eh bien, après yon fin créé ONU, l'autre pays besoin l'argent pour yon construire. Pas oublié, États-Unis les mêmes sont pays tellement intelligents. Pendant tout pays ça yo en gueule même la fè zam von yo, la von yo zam, la von yo zam, et puis même la pentre l'argent. Kounya la, Japon mande aide, yo bay Japon kob pour le construire. Eh bien, yo mette nan mayo Japon ça le pral faire, c'est acheter faire pile bloc pour construire pays bâti ville même gens, il dit bagay la pas bon comme ça pour moi, préférer moi investir dans moun pito. Eh bien ça au fait, yo créer l'école. Si ti japonais a vini aux États-Unis, li vin l'école. S'il pas premier dans classe là, l'a senti son indignation, l'a senti son humiliation le prend. Donc, yo toujours kebe même bagay sa nan tête, yo sa ki te passe nan pays yo depuis 1900 jamais ya. Donc, yo pa ka dernier nan classe la, fok yo premier. Joune jodi a tout, si nou te gen même orgueil sa la kay nou, nou pa ta prive la, sa ke fe m di sa. Pa bliye, neg cheve si wo, blanche pa jam reme neg nou. Si yo te reme nou nan premier congrès Panama, malgré nou fin ede yon paquet pays nan Amérique du Sud la bataille, yo tap invite nou, ou pa digne. Donc, rete nan ti cartel. Et journée jodi a gade sa yop fè nou. Bagala tellement rase, yo tellement prouvé nou ke nou pa rien, yo fè crème voye pou nou douko. An tourne nan dossier l'école. Ça veut dire moun nan zone sa yo se moun ki tellement kwa nan éducation, et bien Taïwan lui-même renouvelé volonté pour que li capable investir nan jeunesse haïtien malgré tout sa k'ap passé en dedans pays ya la, nan moment comme nous konnen insécurité et problème crise politique. Et bien lui-même, il décide construire premier lycée excellent dans le département nord pays, dans le quartier Morin. C'est là que lycée ça, il va le construire pour Christophien, Christophien, nous capable venir étudier et non seulement ça tout. Dans lycée ça, mesdames, mademoiselles et messieurs, a bien tout ça le besoin. Comme nous capable garder plan là, a bien terrain, a bien dortoir pour élèves, yo capable à la caillou les week-ends si vous voulez, mais yo capable rester l'école là pour apprendre même avec tout l'autre grand lycée dans pays à l'étranger. Donc, dans ce sens, ça, travail ça, nous bat bravo, puisque ça fait longtemps nous pas joignons une bonne nouvelle qui entre dans le pays, puisque toute nouvelle qui gagne, c'est tête fait mal, tête chargée, moun ap mouri, moun ap tombe. Donc, encore une autre fois, pays Taïwan renouvelé volonté pour que li investi dans la jeunesse haïtienne et pour le porter yon impact qui positif sous génération kap vini là pendant li di, on travaille ensemble pour que Haïti li même capable gagner yon avenir qui meilleur.
L'autre information qui est très très importante, mesdames, mademoiselles et messieurs, hier, eh bien, nous connaissons Britsoukou, eh bien, nouvelle la tombe, tant qu'on coûte l'oreille que BLTS a arrêté Atis Isola. Donc, ça te fait un pile gros par en pile. Et un pile l'autre gros dirigeant dans la politique dans le pays a tap tweeté, par exemple, M. André Michel, gagné, comment élément ça arrive encore, Don Kato, gagné un paquet l'autre encore qui t'a exigé libération à Tissa le plus vite que possible. Ça qui attire attention nous dans l'arrestation ça. Est-ce qu'on est capable de dire son arrestation? Parce que Jean Bagay l'a fait là, monsieur ça y a pas de connaître tout. Donc, cependant, et monsieur a rentré dans l'aéroport, et puis sortant de la BLTS, tout fait appel à elle pour lui répondre quelques questions en dedans des CPJ. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, la justice pays d'Haïti son bagay qui tête chargée, l'aime dit tête chargée, comment? Tout autant, ça que nan may moun, même que moun nan te gon problème personnel avec on l'autre, li wè se li pou l'état ta arrêté. Mais tout autant, li manye moun ki bon kote la kap fè briganday, kap promene, et pingale tout kote nan peyi ya, depuis se li ou manye, et bien li gen problème, yo dou que la justice pa itilanye, la police pa itilanye, mais kou la police li même li décide tra son exemple, ou tant de tête fait mal encore. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, son bagay qui simple, qui belle, là où est la justice pays ou relè ou pour demander ou quelques informations de bagay qui t'est passé. Donc, sûrement, c'est quelques questions, Jean que isolant, lui-même, après ça, il t'est tweeté, quand elle fait qu'on est, bien, il était content de participer ensemble avec DCPJ dans séance interrogatoire, ça, parce que DCPJ t'a besoin de quelques informations dans mail, pendant que le remercier tout le monde qui t'a supporté, qui t'a demandé tant pour souple pour le libérer, parce que là où vient prendre là, il n'y a pas mis hôtel yo just dit de CPJ besoin pour que li vin répondre quelques questions sur quelques dossiers. Comme nous connaissons monsieur son monde qui vraiment rapproché Youri Chevry, li c'est ancien magistrat Port-au-Prince. Donc la justice qui a décidé rele n'importe nan nous immédiatement pas nous causer louche depuis au fait appel à voir pour venir passer une interview. Li c'est pour bagaille qui grave faut just descendre pour aller pour ça yo abdou. Mais depuis qu'on est coupable ou obligé à tirer pied ou pas veut paraître parce qu'on connaît yo ka tout mettre en bas corde. Eh bien, où qu'on est, c'est dans chimé gêné au Québec choix le malin. Donc, dans ce sens ça, eh bien, nous bien content que artiste là lui-même li retourne la caille et sauf et non seulement ça tout, li baille toute information qu'elle t'a supposé baille en dedans des CPJ pour que gagne quelques dossiers en dedans pour yo capable paraître piclé pour que pour policiers scientifiques yo ka continuer fait travail. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, Kounia là n'a pas entré non l'autre dossier qui c'est dossier ONU, qui c'est Organisation des États-Unis. Eh bien, président Conseil sécurité l'ONU américain qui c'est Linda Thomas, dans une déclaration qu'elle publiait hier qui était 24 mars là, li préoccupé des crises prolongées ça que pays d'Haïti lui-même l'a traversé sous plan politique constitutionnel avec humanité sanglier sécurité. Donc, li soulignait que gouvernement haïtien doit combattre tout genre de bagaille ça yo pour que pays a lui-même li capable stable. Li parle de dossier sécurité, elle dit conseil sécurité ONU lui-même li prend ça en charge donc nan jou k'ap vini yo la et la travaille sous ça pour que yo pote yon aide en urgence pour pays d'Haïti capable sorti nan crise insécurité ça et non seulement ça tout, li parle ensemble avec autorité yo pour que la police lui-même li capable prend force courage li pour capable lutter contre tout cause profonde violence bandit organisée dans pays ya qui empêchait population ainsi qu'il est en toute liberté. Li continue parler sous dossier élection, li affirmé faut élection faite dans pays ya le plus vite que possible pour que en 2022 cap vini là pour que gon l'autre gouvernement qui fait face parce que li onti jan difficile pour yon président à diriger par décret et puis pour le mettre sécurité dans un pays, c'est ça qui fait que premièrement, li parle de dossier sécurité, après ça, il touche dossier élection, elle touche tout dossier la justice dans pays malgré nous qu'on est dans moment là, la justice vraiment a frappé puisque en pile moun yo la gè avis de recherche derrière yo donc on a dit et grand femme ça qui c'est Yannick Joseph, bon courage, bagay yo c'est consalier
et marcher chercher pas dormir sans souper son bagage comme ça lié dans pays ya. Donc et non seulement ça tout et li mandé pour l'état haïtien goumen contre tout monde qui corrompu en dedans pays ya, cap créer mauvaise action qui empêchait la justice fait travail tout bon vrai. Li passé et touché dossier droit moun nan pays d'Haïti pendant que exige l'état pour que li résoudre problème moun kap violer droit moun nan pays ya, li touché tout dossier Gravine qui t'est passé en 2017 là, la Saline en 2018, Bel Air en 2019, elle touché tout dossier assassinat bâtonnier de l'ordre la maître Montferrier Doval qui t'est fait en 2021. Nous rappelons que et maître Montferrier Doval t'est mouri dans la cour la Kaili et jusqu'à présent dossier ça ont été bloqué, personne pa konnen qui ça y a dit sous lit. Est-ce que nous capable dit en Haïti de pour mourir ou mourir net ou bien capable gagner en justice pour. De toute façon, nous connaît petit pays nous en toujours très très spécial et non seulement ça tout de pour mourir ou toi. Voilà. Gros nouvelle. Mon ami, bienvenue. C'est sous Tax 609 ou connecté n'importe côté où y est depuis où c'est haïtien ou doit connaître tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travail là capable avancer zami Pao Foucault. Toujours dans le pays d'Haïti, au commandement police nationale a mis mandat recherche derrière membre groupe Fantôme 509 après révocation dans institution ça et puis ici aux États-Unis après deux fusillades yon nan Atlanta et yon lot nan Colorado, président Joe Biden mandé Congrès pour prendre plus loi pour gain plus restriction sous gens façon sous façon moun ap gen accès à exam nan pays. Donc c'est point ça yo avec l'autre encore nous pour développer pour dans un petit moment. Donc bienvenue dans développement actualité a. Donc en actualité k'ap mené nous d'abord nan pays d'Haïti pour nous parler de justice. Docteur Konoso Dil coup d'appel prend décision mandé pour yo libérer 17 moun que et qui t'a impliqué dans sa gouvernement t'est présenté comme yon tentative coup d'état 7 février passé a. Nous gain réaction mette yon après l'autre mette Antoine Maisonneuve avec mette André Michel. Nous t'es convaincu que nous t'as joué libération tout le monde ça. C'est ça que fait malgré yon t'as chuté sous noir boulet rouge. Oui. Allez attention, rafale moun préalablement t'es dit non. Si avocat ça yon allé au niveau de la cour d'appel, ils vont contribuer à bloquer. Parce que nous-mêmes, nous maîtrisons les règles de la procédure civile et de la procédure pénale. Forme de bien. Forme de. Ah, les cassations. En droit, voilà ce que nous avons appris. C'est l'appel qui est suspensé. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a des cas de répétition. Forme de droit, son profession d'élite. Et pas tout le monde est de là qui se dit avocat, qui connaît règles du vrai. Elle a dit, commissaire, ou pas comment ministère public, la Claude, j'étais frétendant. Monsieur, ouais, encore pas qu'à faire rien là, à cette phase. Libéral fait appel, libéral fait défense d'exécuter, c'est son affaire. C'est seulement appel qui est suspensif. Elle a dit, c'est seul appel qui était qu'à bloquer libération Mounzao. Heureusement, c'est au niveau de la cour d'appel que nous avons pu obtenir la libération de ces prisonniers politiques. Femme d'oubien. Et avant de venir la matin, un grand ami dit qu'actuellement là, le palais national a fait contact avec paquet quoi des bouquets pour voir comment il y a bloqué et exécution arrêt ça. Malheureusement, en Haïti, le droit est pris en otage par la politique. C'est la cour de Port-au-Prince qui vient de procéder à la libération de ces prisonniers politiques. La cour d'appel a pris une décision historique en ordonnant la libération immédiate des prisonniers politiques du 7 février, nonobstant toutes les voies de recours. Et c'est ça le plus important. Quand la cour dit qu'elle ordonne la libération immédiate des détenus, nonobstant toute voie de recours, cassation ou défense d'exécuter, cela veut dire que même si le commissaire du gouvernement exerce un recours par devant la cour de cassation, ce recours ne pourra pas bloquer l'exécution de la réordonnance de la cour. Cela veut dire que dans les heures qui viennent, sur le plan du droit pur, les prisonniers politiques du 7 février 2021, savoir Dr Marie-Antoinette Gauthier, Marie-Louise
Gauthier, agronome Louis Buteau, docteur Claude Veillard et les autres seront libérés. Et c'est ça la décision de la Cour. Tout le monde le sait, c'était une arrestation arbitraire. C'est une décision qui prouve qu'on peut continuer à vivre dans ce pays. Parce qu'il y a des juges qui sont indépendants, il y a des juges qui ont courage. Pour moi, c'est ça le plus important. Mais ce que je veux dire à la population pour terminer, c'est que la bataille pour un véritable état de droit, son seul bataille liée. Voilà pourquoi la population dans son ensemble qui doit mobiliser, nous inviter toute population dans tout pays pour descendre dans la rue 28 mars, 29 mars pour exiger le respect de la Constitution. Donc c'était Yon Aprelot et Maître Antoine Maisonneuve et Maître André Michel après décision que coup d'appel prend pour demander libération 17 moun que gouvernement a présenté comme moun qui t'a participé dans soi 10 ans yon coup d'état contre gouvernement 7 février 2021 qui saute passé là. Pendant ce temps, Fantôme 509 groupe policier Sayo qui présentait tête sous titre ça Fantôme 509 qui toujours avec cagoule et en noir. Eh bien, il continue à dominer actualité. D'abord, États-Unis considéré Fantôme 509 comme un groupe criminel. Et au état, au commandement, la police a lui-même metté au mandat de recherche derrière et monsieur yo. Et après que yo joigne révocation yo, dans l'institution. Pendant ce temps, il y a SPNH 17, lui-même tout, il y a quelques membres qui ont mis mandat de recherche derrière eux. Donc, il y a une confusion entre SPNH 17 avec Fantôme 509. Nous avons eu une réaction hier, Jean-Fritz Magny, qui est avocat SPNH 17, mes réactions hier dans une conférence pour la presse au lieu d'un sitting qui a été annoncé hier. Entendez-le. Matin, comme nous connaissons, c'est pas ton confiance qui t'a baillé. Matin, c'était un sitting qui t'a gagné. Étant donné que monsieur nous obligé de mettre à couvert, c'est genoux, coordonnateur général, nous, il n'est pas là qu'on y a, il est obligé à couvert. Alors nous conseillons, monsieur, vous êtes à couvert. Nous avons même 5 à 6 policiers. Il y a persécuté là qu'on y a. Nous allons faire ce que de droit pour nous attaquer en justice. Bien que nous connaissons, la justice n'a pas gagné là de nous connaître, mais étant donné nous-mêmes avocats, c'est à ça nous marier, nous allons faire quand même. Bataille ça qui a mené là, je voulais faire nous connaître que ce n'est pas bataille SPNH, c'est une bataille politique, c'est une bataille pays. Moi-même qui ai une spécialisation dans ça, c'est la sécurité, la stabilité d'une nation, ou même si nous voulons, nous avons longtemps, nous avons prêché, nous avons dit, il faut que nous retirions la police de la politique. Voilà que nous ne pouvons pas attendre de nous. Mes côtés nous tombent là, pays a lié en danger. D'ailleurs, je vais expliquer nous d'abord pour nous comprendre. C'est quoi le rôle de la police dans une société démocratique? Le rôle de la police dans une société démocratique, c'est de gérer une population, d'administrer une population à travers deux fonctions principales, le service et le contrôle. Mais pour ce faire, la police doit demeurer libre. Libre. La police doit débarrasser de toute ingérence politique, idéologique, quel que soit ça d'avler. L'essentiel, nous-mêmes, nous avons un travail de police, c'est ça que nous demandons à la population accompagner SPNH dans sa liée. Parce que si SPNH a une victoire, c'est victoire pas nous la pied, c'est victoire la population la pied. C'est pas fait partie politique qui a prévu là. C'est à faire une police qui est là pour garantir l'ordre dans la société. Voilà que nous avons des accapareurs qui viennent dans la tête de la police. Ils mettent ensemble avec l'exécutif pour détruire la population. Donc c'était Jean-Fritz Magny hier qui était fait déclaration ça. Dans une conférence de presse, nous avons dit improvisé parce que normalement, SPNH 17 était gagné et sitting pour te faire, mais il était transformé plutôt en conférence et de presse. Fondi que à vidéo chez ça grand pile monde qui gagne opinion différent sous lui notamment gagne ancien colonel Himmler Rebu qui dit que pas grand question d'avis sanik tout simplement agir parce que d'après lui Fantôme 509 a fait des bagarres qui tête chargée c'est vandalisme c'est violence et autres et Fantôme 509 impliqué dans paquet de causes même équipe football Belize là qui gagne pour venir jouer avec Haïti demain, eh bien, M. Sayo était dans la rue et hier, tu as une mauvaise cause. Avant hier, plutôt, tu as une mauvaise cause qui t'est faite. Pendant ce temps, on a retourné sur une offre que le pays, la Russie, fait
et Haïti pour ta aider dans situation ça et nous te gagné yon soi-disant réaction département d'état sous question qui pat et agit directement mais qui lui-même te rappelé plutôt et aide assistance que la poté by pays d'Haïti. Massado Vilme gagne un reportage sous question ça. Jeune garçon si la yo qui t'a retracé l'histoire a bay raison qui t'a souhaité yon jour pays d'Haïti coupé fâché avec pays grande puissance lan États-Unis et puis choisi pour allier pays Russie. 1914, États-Unis entré au vol les réserves l'eau Haïti, t'es gagné dans la banque centrale. Exemple, 1915, États-Unis envahi Haïti, bonne occupation, pillé toute richesse, pays d'Haïti, possédé. Exemple, 1994, États-Unis retourné, c'est ça y'a oublié, y'a pas fait. Voilà. Rêve de Saline. Si, exemple ça y a prouvé, mission États-Unis, c'est détruire Haïti. Mission États-Unis, c'est supporter tout chef d'État qui a violé la Constitution. Mission États-Unis, c'est supporter tout pouvoir qui a maspiné le peuple haïtien. Exemple ça y a prouvé à clair, mission États-Unis, c'est empêcher Haïti de développer. C'est ça que fait Jodia, le peuple haïtien choisi. Pays là aussi, tout comme allié qui est capable de retirer Haïti en bas domination, en bas exploitation, les États-Unis. Défend revendication population haïtienne non, avec plusieurs secteurs dans la société civile là, qui réclamait démission chef l'État Jovenel Moïse dans tête pays depuis après 7 février 2021, un militant proche opposition politique là souhaité administration Joe Biden non, répondre à Fekette Silla. Politiquement, faut Biden ressaisir le dossier Haïti. Hein. Parce que il y a une vague qui a privé, ou après l'opinion publique a penché sous des capables et résolution la Russie. Hein. Ça, faut Biden a questionné le tout, puisque les Américains ont intérêt politiquement, économiquement sous territoire haïtien. Je trouve ça bizarre. Jovenel Moïse choisit de faire toute dérive ça que l'a fait pour que Biden pas jamais dit un mot. Nous souhaitons malgré que l'a fait la sourde oreille dans moment ça là. Il propose d'y pas comprendre. Pendant ce temps, les diaspora qui retrouvent dans niveau n'est capable international là, ils étaient mettre poids en balance dans l'élection Biden. Comme il fait choix pour faire la sourde oreille, il fait comme s'il pas comprendre. N'est capable de dire démarche Jovenel Moïse a fait la kounya, mais nous souhaitons pour le ressaisir. Ressaisir l'en façon pour comprendre que ça qu'a fait là, c'est une bataille géopolitique que lui. Cependant, quelques autres étaient quoi? C'est à travers un dialogue haïtien avec haïtien qu'a capable de soutenir avec solution crise pays d'Haïti à prendre depuis plusieurs années. Depuis Port-au-Prince, moi, c'est Massiado Vilmé pour la Voix de l'Amérique. Merci, Massiado Vilme, ou toujours sur la Voix de l'Amérique, n'a pas mettre depuis Washington DC, ou à suivre. Rendez-vous info, moi, c'est Jacqueline Bélizère. Nous parlons province. Il y a eu plusieurs dizaines de nouveaux membres bureau électoral départemental et communal qui arrivent installés dans le commencement semaine dans le département nord-est. Il y a un reportage, Jodley Junior Saint-Ville. Lundi 22 à mardi 23 mars 2021, il y a une délégation. Conseil électoral provisoire rivé installé divers membres bureaux référendaires départementaux à communaux dans le département nord-est. C'était occasion pour différents membres bureaux yo signer et puis recevoir lettre nomination yo. Président bureau électoral communal là, qui vient pourquoi lier là bureau référendaire communal Yves Thomopoint ak vice-président bureau référendaire départemental là Ernst Maniga promet yo pral travail pour porter bon genre résultat et puis mandé tout membre yo pour yo capable respecter constitution. Yves Thomopoint, c'est président bureau référendaire communal ak Ernst Maniga vice-président bureau référendaire départemental là yon après l'autre. Promet à ma commune des bons résultats et à toute l'équipe une franche collaboration pour une administration revu, corrigé et augmenté. Mesdames, messieurs, les nouveaux membres, il vous incombe de respecter la Constitution et les lois de la République, de remplir vos fonctions avec exactitude et loyauté,
sous les regards du bureau électoral départemental et des honorables conseils électoraux. Bon côté parle, coordonnateur départemental, la maître Jose Joseph, qui te prend la parole dans l'occasion, rappelez membre bureau yo, qui principale mission yo gagné. J'ai l'honneur de prendre la parole ce matin pour vous souhaiter la plus cordiale bienvenue au bureau référendaire départemental du Nord-Est. Le décret sur le référendum constitutionnel paru dans le Moniteur du mardi 5 janvier 2021, dans son chapitre premier, dans ses dispositions générales et dans son article 2, donne à ce conseil électoral provisoire, si après dénommé CEP, la charge aux membres du dit conseil de planifier, d'organiser et de contrôler le référendum constitutionnel ainsi que la publication des résultats sur toute l'étendue du territoire national. Jodley Junior Saint-Ville, La Voix de l'Amérique, Fort Liberté. Merci Jodley Junior Saint-Ville, n'a prêté toujours dans la province et nous pral konya dans le département sud pays. Côté plus passé, yon vingtaine journalistes dans le département participé dans deux jours d'information sous nouvelle technologie, yon façon pour renforcer capacité journalistes dans bay nouvelle ak information. C'est UNESCO qui t'a organisé formation ça dans 4 départements Grand Sud. Reportage Jean-Ernst Eliscar depuis Vilokai. Sous initiative Organisation Nations Unies ou Éducation, Sciences et Culture UNESCO, plus passé une vingtaine de journalistes dans le Sud participent dans deux jours d'information sous thème Nouvelle forme de journaliste. Responsable programme communication et information UNESCO en Haïti, Jeffrey Lochard, fait connaître objectif formation ça, c'est pour renforcer capacité journalistique sur nouvelles technologies. Les journalistes ont un devoir, deux à trois fois sur le métier. Ils ont même le citoyen partagent des informations pour vérifier faire. Ça veut dire. Des fois, l'information qu'on nous dirait, et puis c'est des fausses informations, c'est la désinformation ou la mésinformation. Donc, son façon tout pour nous lutter contre ça, nous la désinformation. Parce que les journalistes, c'est eux-mêmes qui sont des acteurs qui formés pour informer la population. Donc, nous-mêmes, nous voulons renforcer les capacités pour permettre que nous capables de disposer d'informations fiables à chaque grand citoyen. Formateur principal séance formation, ça, Étienne Côté-Palou, Koué. Nouvelle technologie, ces outils pour aider les journalistes à faire travailler plus bien. La majorité là-dedans, nous connaissons déjà. Nous habitués à travailler avec les outils, avec Internet, avec téléphone intelligent, avec ceci, cela. Donc, c'est juste perfectionner le travail là. Moi-même, tout, je m'apprends en pile, je m'apprends à parler comme ça avec nous tous, parce que c'est des barrières que je ne connais pas. Donc, c'est vraiment juste pour améliorer. Travail qui est professionnel déjà pour nous sûr que nous pas arrêter sans nous que nous manquer des bagages qui étaient faites avant et qui faites l'autre bord qui arrivaient et puis nous pas jamais au courant depuis nous à l'école nous pas au courant mais nous continuons à évoluer pour que nous mêmes comme journalistes nous toujours au dernier cri des dernières techniques qui faites dans le domaine. Quelques participants pas cacher satisfaction yo après formation. Nous-mêmes qui dans la radio, qui a essayé d'identifier Ferio, chercher véracité Ferio, c'est contraire avec journalistes citoyens, avec un téléphone dans main, li ou on bagali juste la gueule. Mais nous-mêmes journalistes professionnels, population fait nous plus confiance parce que nous pas capable parler n'importe qui gens, nous aller à la source pour nous porter information yo bay population. Pour moi c'était une formation top niveau qui mettait journalistes dans au niveau qui est très haut et me pense journaliste dans le sud yo pral faire bon usage de formation ça n'a signalé ces 4 départements grand sud là séminaire ça a été déroulé tankou grandance nip sud-est ak sud Jean-Ernst Eliscar pour la Voix de l'Amérique au Cap. Merci Jean-Ernst Eliscar, ou toujours sous la Voix de l'Amérique, d'avoir mis depuis Washington DC. Merci d'être que vous branchez dans le moment ça. Et merci tout d'être que vous toujours écoutez nous sur toute plateforme que nous gagnons. Qu'on y a ce moment pour nous suivre
annonce service public La Voix de l'Amérique dans Washington. Oui, ou toujours sur La Voix de l'Amérique, on peut mettre depuis Washington d'ici, on suivre un programme en langue créole haïtien et dossier Haïti à tout partout, dans OEA, dans Nations Unies, dans le Congrès américain, tout partout, donc à Haïti, dans l'actualité. Secrétaire général organisation État américain, Luis Almagro, qui a fait des positions devant Commission Affaires étrangères Sénat, a mandé un engagement dans l'hémisphère sous valeur et principe démocratique pour corriger la démocratie. Distribuer vaccins de façon équitable pour pays dans la région et puis lutter contre la corruption. Numéro 1, organisation régionale là, mandé support États-Unis à Congrès pour atteindre objectif ça. Monsieur Almagro rapoursuit pour le dire travail doit fait pour éviter gouvernement yo, le gouvernement gros point yo prend racine dans région. Pour Banque Interaméricaine Développement prêter pays plus l'argent pour investir. Responsable a parlé de élection qui gagne pour dérouler dans région avec nécessité pour protéger intégrité processus là dans organisation élection libre, honnête et démocratique. Monsieur Almagro cité ka Nicaragua et Venezuela côté d'où il gagne réforme électorale. Responsable a cité Honduras gagne une réforme qui en marche et puis Haïti. Contre corruption, tant que Jean Saté prévoit dans le dernier sommet américain. En plus de corruption, commission a posé question sous environnement, trafic de drogue, abus de droits humains et l'autre encore. En plus de responsable organisation État américain, commission a tendé des positions Deborah Ulmer, directrice régionale Amérique latine à Caraïbes dans l'institution démocratique nationale là, avec Ryan Berg qui sorti dans American Enterprise Institute. Donc, tant qu'on te dit, situation pays d'Haïti, lui-même, lui tout partout dans le monde, dans gros instances internationales, dans gros institutions internationales, notamment aux États-Unis, c'est pas parlé, dans le Congrès américain, OEA sot pran yon résolution, ça pas gen longtemps là, et nous pral ta le parler de yon de organisme de Nations Unies plutôt, qui lui-même, côté que Conseil de sécurité, lui-même, il prend acte de rapport secrétaire général là, qui était présenté dans date 11 février passé, avec observation qui n'a rapport, et puis Conseil l'a réaffirmé, appuyé pour effort bureau intégré Nations Unies en Haïti, BINU a déployé. Conseil sécurité a fait qu'on ait ligué gros caisse sauté concernant crise politique, ainsi constitutionnelle, humanitaire et sécurité en Haïti. Et puis, pendant la rappelé, résolution de 2547, donc en 2021, avec 2467-2019, là, l'a insisté sous principale responsabilité gouvernement haïtien pour faire face à facteurs qui peut provoquer yon instabilité. Et yon mette en pile accent tout sous toutes conditions yon que gouvernement doit réunir pour capable gen élection libre, honnête et démocratique dans pays. Et qu'on y a, nous pral rejoindre Jean-Robert Philippe. Nous connaît que gen deux fusillades qui fait aux États-Unis dans le dernier jour que se passe là yon. Et dans environ deux semaines, yon dans Atlanta, yon dans Colorado. Dans Colorado, nous connaît que gen 10 moun qui mourit parmi yon policiers et président Joe Biden demandé qu'on y a pour Congrès prendre loi qui pour contrôler qui j'ai pour mon gain accès à examen fait. Jean-Robert Philippe pral dit nous plus. Effectivement, Jacques Lain et président Joe Biden d'abord a étudié actuellement, il choisit vice-président Kamala Harris qui pour mener qui pour prendre tête effort bien une commission qui va faire effort pour combattre ou bien pour contrôler flot immigrants qui a débarqué sur frontière. Ça c'est une première mission que vice-président gagne. Deuxième mission vice-président gagne dans effort ça yo, c'est travail avec pays dans côté immigrants ça sorti à parler de ça le triangle côté pays ça fait pour travailler avec puis ça son programme à long terme pour aider contre les faux immigrants qui ont débarqué aux États-Unis. Et puis, le président Joe Biden encore, et bien lui-même, qu'on y a la possibilité pour lui prendre action qui pour contrôler, ou bien action pour contrôler les armes, ou bien façon que le monde ait accès avec les armes aux États-Unis. Le président Joe Biden demande au Congrès pour adopter une loi plus stricte sous contrôle des armes. Demain, ça a fait après deux fusillades qui fait dans l'État de Georgie avec Colorado. 18 personnes mourir dans deux fusillades. La Maison Blanche mette drapeau à demi-mâle dans la mémoire victime.
Dans le demande président Biden fait congrès mardi 23 mars là, il fait connaître loi sur restriction armes aux États-Unis, il y a moins restriction que tout l'autre pays démocratie avancée sur planète là. We can ban assault weapons and high capacity magazines in this country once again. Président dit nous capable interdire jodi a même fusil d'assaut avec toutes armes gros calibre dans pays a une autre fois. En 1994, Congrès a été voté une loi pour interdire accès avec fusil d'assaut. Loi ça a été renouvelée en 2004 pour 10 ans et pas jamais renouvelée encore à cause des républicains ou pas d'accord. Jusqu'à présent, deux partis ont toujours divisé sur ce sujet ça. Nous capable citer comme exemple débat qui était gagné dans Sénat mardi 23 mars là. What happens in this committee after every mass shooting is Democrats propose taking away guns from law-abiding citizens. Because that's après chaque fusillade en masse, démocrates ont proposé retirer les armes dans les citoyens qui ont respecté la loi à cause de ses objectifs politiques. Expanded background checks. Extreme risk laws. Sénateur démocrate Richard Blumenthal parlait pour dire étant une vérification enquête là, adopter loi extrême a empêché suicide, fusillade en masse avec crime raissement, protéger victimes contre violence domestique à côté pour sécuriser les amis. Mais ça, c'est bagage nous capables de faire. Pendant que le président Biden a mené campagne pour mettre fin à la violence à l'examen, il n'est pas clair qui entité capitale politique est capable d'investir sur la question. Il considère qu'il y a l'autre priorité législative, tant que 3 000 milliards de dollars plan infrastructure avec réforme sur l'immigration. Ancien président démocrate tant que Barack Obama a essayé et échoué dans la tentative pour renforcer la loi sur l'accès aux armes. Deuxième amendement de la Constitution protéger les droits pour le monde pour les armes. Groupe pression qui en faveur de droit ça rend difficile pour adopter loi pour imposer restrictions sur droit ça. If anything was going to make it through, I think it would be requiring universal background checks for the transfer of firearms. Moi, quoi que ça va demander pour gagner une vérification universelle pour transfert d'armes à feu, fermer tout vide qui est basé sur Internet là, ou bien l'autre tout vide qui existait dans le système de vérification actuel là. États-Unis ont un niveau calamment plus élevé qui est pour eux avec ZAM. En 2019, il y a environ 40 000 personnes qui mourent en bas de revolver ou bien coup de fusil, d'après le Centre contrôle maladie avec prévention en CDC. Bon, Jean-Robert Fon dit que le président Joe Biden ou bien débat ça a fait dans le pays. Puis précisément dans le Congrès, dans le moment que le shooting Colorado a fait dans Boulder, qui est une ville dans Colorado, côté que. Eh ben yon nèg 20 qui gen 21 l'année li paraît li tire coup d'zam gen 10 moun ki mouri faut di gen 9 ki mouri au départ et puis gagnen police tali qui lui-même était vinn c'est premier moun qui était vinn sous lieu a sous côté incident en fait là et puis monsieur mouri et yo considéré monsieur faut di que shérif zone là ville là considéré monsieur comme yon héros. Donc Jean-Robert Philippe, décision ça a venu dans le même moment côté que fusillade là. Est-ce que c'est une coïncidence mais il est venu dans le moment. On a regardé shérif là, shérif ça qui lui-même considéré et officier Tali comme un héros et il dit que a une enquête qui a mené bien que il y a 10 chefs d'accusation contre suspect là. Donc et ça apprend quelques jours avant que yo bouclé yo enquête et président Joe Biden nan occasion Jean-Robert t'a parlé de question de contrôle zamnan. Donc Jean-Robert Philippe question zamnan, contrôle zamnan son gros sujet aux États-Unis depuis sous président Obama tant qu'on dit et même sous président Donald Trump, président Donald Trump t'ébal yon l'autre orientation. Dis-nous quelques mots rapidement Jean-Robert. Effectivement, son sujet qui domine l'actualité et élément qui alors accusé a lui-même qui participait dans fusil à ça, ça va depuis non depuis d'acheter et fusil d'assaut ça. Donc pour observateur et pour le monde qui a analysé dossier ça, je dis que si background check là ou bien était calculé temps ou bien était quand c'est temps pour mon temps avant pour les amis, peut-être monsieur était capable pas de temps pour amis pour la commettre ça que commettre. Mais son gros sujet que lui et il connaît qu'on paquet intérêt tout à coup gagner association qui défend droit pour nous pour des amis, mais soit association qui
puissant en pile. Tout effort qu'il fait pour y arriver, mettre restriction sur loi, mais association ça a toujours passé et il fait lobby bon congrès pour que loi et loi ça va pas passer. Donc c'est tout un sujet et son sujet qui est longtemps depuis d'abdomin actualité, mais il toujours fait surface encore chaque fois qu'on fusillade. Yo côté aux États-Unis et fusillade ça yo c'est pas un grand monde qui mourit là-dedans d'ailleurs par contre c'est les gagner au moins 5 6 10 monde qui mourit c'est de ça sujet à apparaître dans congrès pour quelques temps et puis après ça le tomber. Merci Jean-Robert Philippe et puis une dernière nouvelle c'est qu'il y a plusieurs centaines monde qui gagne TPS statut protection temporaire qui défilent aujourd'hui à Washington devant et siège Parti démocrate là et devant siège Parti républicain. A vu dans l'autre détail sous question ça encore. Moi c'est Jacques Lambert-Lizère depuis Studio 18 La Voix de l'Amérique dans Washington. Maintenant, mademoiselles et messieurs, juste avant que nous finissions le journal la matin là, n'a pas porté pour vous une petite connaissance générale qui est très très important pour qu'on ait. Moi porté une petite vérité historique pour. Est-ce que nous songez président ça, l'irélé Antoine Simon? C'est un président qui était illettré, ça veut dire au monde qui pas de connait lui. Mais attention, c'était un président pays d'Haïti qui était plus progressiste. Il passait 2 ans 7 mois sous pouvoir, c'est lui qui était venu avec électricité dans le pays d'Haïti, train, c'était sous président Antoine Simon. Donc mesdames mademoiselles et messieurs, c'est pour me faire nous comprendre, nous ca toujours connait lui, ou ca toujours gain doctorat mais ou pas de stratégie pour que ou avancer ensemble avec un pays. En pile moun fait connait que des salines pas de connait lui, moi dit menti. Des salines te connait lui même, mais président ça qui te relé Antoine Simon c'est un président qui pas de konn li mais c'est un président qui était plus progressiste dans pays d'Haïti li passé 2 ans 7 mois sous pouvoir li vini avec électricité dans pays d'Haïti train avec voiture. Merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou ak patience. Moi bralé m'a quitté en bras papa mon Dieu parce que c'est lui même celle qui capable protéger ou ba la vie ak la santé. Bonjour bonsoir tout le monde, n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir, à la prochaine. Me ramasser paquet moi cause habitant pas miser la ville on praler mais m'a quitté na bra papa bonji parce que c'est lui même seul qui capable protéger ba la vie ak la santé. Bonjour bonsoir tout le monde, n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.